Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va de mon côté. Nouvelle vidéo, enfin c'est logique puisque vous êtes là, sinon vous seriez... Bref. Du coup, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je vais tester mon max à l'épaule jetée avec un pote de ma formation. Alors, il n'est pas dans la même classe que moi, mais dans la même formation. Ouais, il y a deux classes différentes. C'est hyper bizarre. Bref. Et du coup, pourquoi je fais cette vidéo ici, l'intro ici, pas avec lui? En fait, la vidéo a déjà été réalisée. Ouais, elle a déjà été réalisée. Et malheureusement, bah, cette vidéo a été supprimée. Et donc, voilà. Bref, c'est pas grave. Toute la vidéo, la plus importante a été là. Donc toutes les vidéos où on essaye les perfs, on essaye de se surmonter aux perfs, sont là, donc c'est le plus important. Vous allez voir à la fin de la vidéo, petite surprise rien que pour vous. Je vous en parle pas plus, et allez pas voir maintenant, ça serait vraiment ridicule. Donc comme vous l'aurez compris, on va tester le max à l'épaulé jeté. Attendez, juste pour Anthony qui va faire le montage vidéo, donc passe Anthony là. Que là je fais ce que je veux et que j'ai rien à faire. Mais pour Anthony qui va faire le montage vidéo, voilà, tiens une bouteille verte. Donc dessus tu m'incrustes des flammes. Voilà, je déflamme, déflamme, déflamme. Et quand je vais claquer des doigts, tu vas incruster, je sais pas, une spirale, un truc qui est avec plein de couleurs différentes. 1, 2, hop là. Voilà, bref. À s'amuser. On se retrouve à One Air. D'ailleurs, je remercie encore une fois One Air pour avoir prêté la salle. Donc One Air de Maison Alfort. Vraiment 29,90€ par mois. Je suis pas du tout sponsorisé par eux ni rien, mais bon, ils me font venir dans leur salle et faire des vidéos gratuitement, donc c'est super génial à eux, merci encore une fois. Donc franchement, allez-y, 29,90€ comme je vous l'ai dit encore une fois. Et en plus, tout est complet, y a rien, vous pouvez pas arriver dans cette salle et dire « Ouais, il manque ça », non, c'est impossible. Bref, on se retrouve à One Air. Mais c'est impossible de croire que t'es meilleur que moi. Le suis c'est dur qu'un temps. J'ai passé des tympans. Et les mecs à meufs sont trop faciles à attraper. On est tapant, promettez-vous, je le sais. Ici. Oui. Je pense à Académie pour toi. Allez gros. Allez, tu peux le faire. Allez. Premier tirage, super. Allez, donne tout, donne tout, donne tout. Yes, yes, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Allez, jette-moi ça, jette-moi ça. Yes, yes. T'es beau, Tony. T'es chaud. Alors, elle était comment? Dur. Dur. T'as un baiser, moi, j'aurais. Elle est pas loin. A chaque fois, elle a deux doigts. Ok, d'accord, vous avez vu mon problème, c'est quoi? Mon prof, il nous regarderait. Enfin, il nous regarderait. Il nous niquerait. En gros, c'est que je suis explosif du début à la fin. Donc, ça veut dire que ici, bah, je peux pas aller plus vite qu'en bas. En fait, c'est au fur et à mesure ici, on va doucement. Dès qu'on a passé le. Comment ça s'appelle? Dès qu'on a passé le. Premier tirage. Premier tirage. Le mec m'interroge, quoi. J'étais pas venu pour ça. Vas-y, bref, on va réessayer. C'est parti. Allez, gros. Un conseil, ne parlez pas trop vite. Au début de la vidéo, je dis ouais, 100 kilos normal. Je suis à 90. En fait, il veut me laisser gagner. C'est ça, il veut me laisser gagner. En fait, à chaque fois, je me fais ce que je dois faire. Le respect des anciens, c'est bien. Allez, passe en dessous. Ouais. À chaque fois c'est le même problème. Oh, j'ai fait la merde. J'ai niqué la vie. Oh, j'ai pas un stress, j'ai un problème. Est-ce que j'éteigne là? Ouais. Non, non. T'es un vrai garçon.
On verra au montage si je gagne. Facile comme ça. 90 là. Bon, normalement je peux faire en scred un peu, mais là en fait je lui ai dit, là je regarde pas, j'ai dit j'ai enlevé le 5, j'ai laissé 80 et je lui ai dit mec 5 quand je suis parti, genre j'ai rien vu. Mais faites-le vraiment avec vos potes, vous allez voir que vous allez choquer, genre au final ils vont porter des poids qu'ils n'ont jamais porté. Genre, ou alors Nathan Mouzangou, j'ai vu dans sa souris, qui genre il fait fermer ses yeux à ses élèves, il leur met des haltères, hein, ce sont des types pour se coucher. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi c'est vrai que ça me. Bon, là je regarde pas les poids, je me dis qu'il y a que 80. Okay. Sinon vas-y ferme les yeux pendant que tu fais. Ça va partir en haut. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Ouais. Allez gros, 80. Oui. Oui, nickel. Bien vu. Dégueulasse. En PLS. C'était dégueulasse. Mon moment était dégueulasse. Là, j'avais envie de vomir dessus. Je me suis dit, si quelqu'un me voit faire ça. T'as vu ou pas? Genre, il y a eu aucun saut. Ouais, je te jure, t'as tout fait à force. Allez, passer. Par contre, il y avait bien 90, on est d'accord. Ouais, voilà. Et toujours psychologiquement, ça a changé. Ça a changé, ouais. Tu l'avais. La prochaine, elle passe. Tu la retrouves maintenant, là? Allez, baiser. Allez. Elle passe la prochaine. Ouais. Allez, je la passe. Allez. Lève ça, allez. C'est de la merde. Yes. Ah yes, tu l'avais. C'est trop génial. Si tu la passes pas, t'es obligé d'essayer un salto arrière. D'accord. Ok. Vous avez entendu, hein? Un seul essai. Ouais. Juste le volet ou le épaulé? Épaulé jeté. 95. Elle passe. Yes. Ah, tu l'avais. Ok, bon, vous avez vu, du coup, il a pas réussi sa ref, bien vu. En tout cas, il a passé 90. Il a passé 90. Il a épaulé 95, quand même, on va dire presque. Ouais. Moi, j'ai passé la 90, mais dégueulasse. Mais tu l'as avalé ou pas? Ouais, moi, je l'ai avalé. Ok, bon, bah, il a presque 5 kilos plus que moi. Donc, on va dire qu'il a gagné. Ouais. Mais du coup, pour celle-là, il a perdu, du coup, salto arrière. Et si t'es chaud, après, j'irai sur le sol. On verra. Donc là, petite vite fait, on va lui faire une petite. Comment dire? Petite prépa. Il m'a déjà sauté en l'air comme ça. Archi haut, le plus haut possible. Ouais. Ça les tue, ce bâtard. Vas-y. Il a vraiment tenté, ouais, il va le passer normal. 3, 2, 1. J'ai trop peur. Là. Vraiment, je suis chaud, je suis sorti. 3, 2, 1. Je fais pas. A few moments later. 2, 3. T'as vu, il a même trop tourné là. Allez, c'est parti, prêt. 1, 2, 3. D'accord. J'ai vu t'as là, tu le fais. J'ai des trucs dans ma tête. Allez, t'inquiète, ça passe. Là, c'est du bloqué là. 1, 2. Ouh. Là, vous avez vu, j'ai fait exprès, j'ai presque pas touché. Allez, attends, je vous fais un peu. Il m'a touché. Il m'a touché. Non, mais c'est pour ça. Vas-y, vas-y, beaucoup de. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Ok la team, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous avez vu le salto arrière, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il a été validé ou pas. Mais moi je trouve qu'il a été validé, je crois que ses mains ont touché le sol, mais bon, il a été validé. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je fasse un nouveau Backflip Challenge 2, donc comment l'apprendre, le tuto avec lui d'ailleurs. Et ça peut être grave intéressant, donc dites-le moi. Donc vous avez vu, pour ma part, les perfs étaient 90 à l'épaulé jeté, lui 90 et il a presque épaulé 95. Donc voilà, donc il m'a battu. Enfin, c'était pas vraiment un duel, mais bon, voilà. Et le mouvement était pas propre du tout, dites pas dans les commentaires. Alors nous, on n'est pas du tout calé dans l'haltéro, c'était vraiment un pur délire. On voulait simplement voir jusqu'à où on pouvait aller sur l'épaulé jeté. Donc tout simplement, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis sur ce, n'oubliez pas, prenez soin de vous.
j'avoue, sur le décor, ça fait tout de suite beaucoup moins bien. Bref, si t'as aimé cette vidéo, je te laisse aller t'abonner à ma chaîne. Et bien sûr, si tu veux aller voir d'autres vidéos, je te laisse aller voir les deux ici. Sur ce, prends soin de toi.